Salut les potos, et j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo Xur. On va voir ensemble son inventaire, pas sa localisation puisque maintenant, hein, vous le savez, Xur se retrouvera toujours à la tour au niveau du bazar. Donc juste ici, hein, lorsque vous arrivez sur le bazar, au restaurant de nouilles sur la droite, maintenant il spawnera tous les vendredis jusqu'au mardi ici au même endroit à chaque fois. Xur nous propose ce week-end en catalyseur le catalyseur de l'arbalète, un catalyseur à prendre impérativement si vous ne l'avez pas, hein, l'arbalète étant l'une des très bonnes armes sur le jeu, son catalyseur la rend encore plus pété, donc franchement allez-y. On a ensuite le catalyseur de poupée vaudou, prenez-le aussi si vous ne l'avez pas, c'est toujours bien d'avoir le catalyseur, ça vous évitera d'aller le farmer. On a ensuite la rapière des chanceux, l'armure de torse pour le chasseur avec un total de 66. Un petit peu bas quand même, par contre la répartition est plutôt pas mal, plus 16 de résistance, plus 16 de récupération, plus 19 de discipline. Donc pourquoi pas, après cette rapière des chanceux n'est pas hyper méta, mais n'hésitez pas à la prendre hein, si vous n'avez pas déjà, c'est ok tiers. On a ensuite le cœur de la lumière intime pour le titan, un exo qui était très méta fut un temps, mais qui a été très nerfé. Il nous est proposé avec un total de 69, c'est parfait. Par contre, au niveau de la répartition, le plus 25 de récupération, c'est peut-être un petit peu trop. On aurait peut-être aimé ça plus dans la résistance, par exemple. On a ensuite le péché de Nézarek pour l'arcaniste, qui va nous proposer un total de 68. C'est correct là aussi, mais au niveau de la répartition, c'est pareil, plus 20 de mobilité. Je sais pas, j'aurais préféré ça par exemple en récupération là par contre, ou en résistance à la limite, mais très franchement, c'est dommage, la répartition n'est pas oufissime, alors que les totaux sont plutôt pas mal hein, sur ces deux derniers exotiques. Au niveau des armes exotiques qui nous propose Xur ce week-end, on va avoir le rapace noir avec cible mouvante, on va avoir la Garance, très beau revolver PVP à prendre, on va avoir le Borealis, un fusil sniper que vous n'allez pas très souvent jouer. Et ensuite, le Darcy, fusil de précision aussi. Pareil, sort pas très souvent. Maintenant, prenez-les hein, pour les avoir quand même. Si vous avez les pièces étranges, pour vous les acheter. On va ensuite passer aux armes légendaires. Et pour les armes légendaires, on va avoir le Crisura Melo avec Hors-la-Loi, Harmonie, je passe. L'Écarlate avec Subsistance, Œil de la Tempête, je passe aussi. Murmuration distance, surveillance de cardiaque et détecteur de menace. On peut avoir beaucoup mieux sur ce Murmuration distance. L'Avenir lointain, aiguille enfilée, code du duel, on passe. Beaucoup trop vieux, ça n'a même pas d'attribut intrinsèque. Donc on passe. Et ensuite, le croc rapide avec l'âme infatigable et en garde. On passe. Au niveau des armures légendaires maintenant. Pour le chasseur, on va avoir des bras à 66, un torse à 64, un casque à 64 et des jambes à 64. Là ici, les bras seraient plutôt pas mal. Ok tiers hein, en armure légendaire. Total 66, c'est ok. Plus 25 de résistance, c'est pas mal. On a de la discipline, plus 14 et de l'intelligence, plus 12. C'est plutôt intéressant. On va voir du côté des autres classes. Et pour le titan, on va avoir un casque à 63, des bras à 63, un torse à 64 et des jambes à 65. Là, les jambes, pourquoi pas, 65 de total, 21 de résistance, 18 de force. Pourquoi pas, même si 65, c'est pas énormissime, on aimerait peut-être un petit peu plus, mais je dirais les jambes pour le titan. Et pour l'arcaniste, 64 le casque, 65 les gants, 67 le torse, 63 les jambes, le torse à 67, ouais, 12 de récupération, 24 disciplines, non, pas grand-chose de fou furieux, c'est l'arcaniste week-end, là ici, beaucoup trop équilibré pour les gants, non, pas grand-chose de fameux au niveau des armures légendaires, les potos, écoutez, voilà, c'est tout pour ce Xur du week-end, dommage, hein, deuxième semaine, première semaine, on était plutôt contents, la deuxième semaine, ah, exceptionnel, le catalyseur, voilà, pour l'arbalète, hein, surtout à pas rater, mais au niveau des armures, c'est pas insane, au niveau des armes, c'est pas insane non plus, et c'est pas insane non plus tout court, quoi. Voilà les potos, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous dis à très vite, ciao, bye bye.